Mais ça tire là, non? T'entends pas tirer? On prend des balles. Ah si, ouais. Couche-toi. Couche-toi et reste couché du coup. Hein. À 32. Un homme arrive, vite. Hey, stop, arrêtez de... Arrêtez. Mais je reconnais cet accent, ça me Oh, tire stop, dessus! arrêtez, 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 arrêtez. J'ai rien fait! J'arrive en haut. Le Oui. relevez pas, hein. Plutôt que des lots. C'est vous qui tiriez? Ouais, c'était justement pour vous dire d'arrêter, je vais à côté, vous n'entendez pas. Me tirer dessus pour me dire d'arrêter, mais c'est pas une bonne idée du tout, ça, bordel de merde! Sérieusement, Vous êtes... quoi? Oh! Mais non, je suis pas toute seule! Y'a qui avec Idiot! vous là? Mon ami! Ok. S'te pas! Je suis désolé, on n'a pas allé Non, sur le non, 50. non, Hein. non, non. On n'a pas allé sur le 50, je suis vraiment désolé. Mais vous... Regarde-le, le saloperie. Hein. J'ai reconnu Max Miller, il vient de se suicider quand je suis arrivé. Hein. Ah oui, Pink Floyd. Oh, de... Je suis vraiment navré, mais Non, 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 c'était non, situation non, critique, non. j'ai tué juste en dessous de la rue, Donnez-moi un je suis truc navré. sucré, vous avez quelque chose à manger là? Oui, j'ai de la viande de lapin. Ouais, je suis sur place, j'essaie de... Ah, le joli Altef 4 camouflé, saloperie. Le quoi? Pardon. Oh, je vais m'allonger, je me sens pas bien là. Appelez un médecin. Bodgel, vous avez Dr. Soft à côté. Lara, prends ma tension. T'attires Ça encore. tire là. Oh, mais c'est pas possible. Dans quoi on s'est Ils ont embarqué? sorti les douches. Oh mon Dieu, Ils mon cherchent à Dieu. s'amuser, mais ils comprennent pas que nous, ça nous amuse plus là. Je suis vraiment navré, docteur. Regardez, il y a des impacts juste en dessous là. Y'a pas de Bien soucis. en dessous. Y'a pas de Vraiment soucis. navré. Ils nous tirent dessus là, les gens? Ah non, pas sur vous, sur le Gustock. Oui, j'ai eu autre chose, non, j'ai quelques Allez-y. cadavres à faire. Faites, faites, faites. Nous, on va s'en aller, hein. On va vous Bah, je vous laisser. Ouais, déconseille ouais, ouais. fortement d'intervenir à FC, il va y avoir quelques cadavres, incessamment sous peu. Hein. Ah, Ça comment... commence Ah, déjà. mais non, pas Monsieur Fishing. Mais non. AFC, vous voyez, ils ont sorti les douches-cas quand on est arrivé, donc... Oh. Ouais, c'est bon, je vais confondre Docteur Dello qui a été choqué parce que j'ai tué dans la tour hein, pour l'arrêter. Ah, c'est nous, c'est nous! Aïe Tirez pas! Oh aïe. là On a là là cru, là ça là c'était là pas là vrai. là 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 Le là! Ah, bordel. Ça Côté va aller, micro. ça va aller. Je sais plus où on est. C'est par où qu'on part. Écoutez votre ego. Oh. Ça tire encore. Partir vite là. Ouais, Altice Fishing, qui est à côté. Je vais à la station service. Monsieur Cooper. EMS Delo, je vais à la station essence de Neochorie. Ne tirez pas sur mon petit hélicoptère, s'il vous plaît, j'ai trop peur. J'ai plus d'essence. Bien reçu.
fasse quoi? Il faut aller chercher Ivory, il est où? Ouais, je sais pas, je vais lui demander, je vais envoyer un message. Si j'ai pas reçu son message, je vais lui dire. T'as pas reçu son message? Et si, je l'ai reçu, mais bon, j'étais un peu occupée à mettre à couvert, donc je pouvais pas. Alors, je pouvais pas prendre mon téléphone. Et qui c'est qui disait qu'il se passait rien là tout à l'heure? Hein, Ramsey? Ouais, super, ouais. T'es déjà arrivé, ça, panne d'essence en plein vol? Non, pour moi, tu l'as pas beaucoup. Les urgences passent par le téléphone satellite et pas par le smartphone. C'est quoi le serveur? C'est Failywood. Salut Giuliano. Ça va bien. Je crois que j'ai répondu à tes messages tout à l'heure, Giuliano. Hi. C'est Failywood. Et ok. Kavala. Bon ben voilà. Kavala? Ah, je te vois très mal par contre. Ouais, j'ai baissé le son pour parler à Caramel. Ok. Ouais, c'est ce que je pensais qu'il irait à Kavala. Je me dirigeais déjà vers là-bas. Ça va, nickel. Ah, mais aussi, quelle idée de se tromper de fréquence. Mais les 50, c'est bien pour l'Est. Et oui, c'est ça, mais eux, ils ont parlé, enfin, je sais pas comment ils ont fait pour se tromper, ils ont parlé sur la fréquence 50, mettre leur propre fréquence, je sais pas. On fasse une réunion avec tous les chefs d'État, là, pour revoir les fréquences, parce que moi, j'y comprends rien. J'ai des antibiotiques en rab. J'ai oublié de les vendre. Antibiotiques? Ouais, je les avais laissés dans l'hélico. Je les avais pas transformés en morphine, en fait. D'accord. Du coup, je t'en donne. Ça t'en fera si on en a besoin, en médic. Tiens, par contre, ma fleur, j'aurais bien aimé la rendre à Ivory qui me la donne quand je suis en civil pour que je puisse la mettre à la maison, en fait. T'as pris une balle? Non, c'était quand je suis sortie du véhicule. Igori avait fait un malaise, j'avais plus à sortir et en fait, je pense qu'il a dû faire un malaise de pied sur l'accélérateur. Et... là qu'on nous tire dessus pour nous dire d'arrêter, non mais n'importe quoi. Là, j'avoue. Je suis outrée. Ça se voit là, non? J'ai pris antibiotique, ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Ouais, je vois flou. Ah. On va boire un verre à Kavala en attendant Ivory? Ouais.
mal aux yeux. Qu'est-ce t'en penses? Non, non. Je pense pas. Le monde qui nous demande. Okay, hein. Je sais pas, mais... Lara, hein? Je te confie ma fleur. Tu me dis pourquoi tu donnes la fleur? Je vais y aller. Mon cœur me dit de oh, ne pas y non, aller. Non, vas-y pas. Mon cerveau me dit de ne pas y aller, mais mon cœur ne peut. Ils sont. J'ai signé le serment d'Hippocrate de venir en aide à toute personne dans le besoin. Et j'ai personne là qui me menace d'une arme qui m'interdit de faire quoi que ce soit. Je dois tenter. Je dois Je sais tenter. Pas. Non. Tu rejoins Ivory et tu... Je vous retrouve. Il va m'arriver des soucis. Bon. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Que vous en pensez? J'ai raison d'y aller ou pas? Je suis médecin. Ok, Mbake, il m'a dit de pas y aller et c'est censé être la force armée de... du territoire de la FAO. Mais moi, moi, je suis pas de leur guerre. Et c'est des amis qui sont à terre. Des amis d'Élise. Je suis obligée de prendre ce risque. Mon âme et conscience. Je bataille avec ma conscience là, je tiens à le dire.
Hey, coucou. Bonjour. Putain, vous me faites prendre des risques, là. Allez. Emmenez-moi au blessé. Leur pousser un peu d'abord, je pense. Ouais. Voilà. 3, regroup. Comment ça va, Malboro? Ça va bien, ça va bien. Un peu stressé parce qu'il y a des FAO ouais. qui nous attaquent, mais... Je suis au courant, figurez-vous. Ouais. Ils m'ont interdit de venir. Bon. C'est pour ça que je me suis... Parce que... Je comprends. Ils font leur loi sur un territoire qui ne leur appartient pas. Force. Regardez un peu de son. Faut le dire, Doudy, hein, y a pas de souci. Moi, je monte, je baisse, je fais comme vous voulez. Hein. Si ça va pas bien, faut... Moi, le son du jeu, je m'en sers très peu. Là, je vais en avoir besoin parce que ça tire. Tu vois, il y a des hélicos, il y a des douchkas et tout. Mais sinon, en général, je laisse très faible puisque la voix passe par TS. Il y a eu beaucoup de dégâts ? Comment ? Il y a eu beaucoup de dégâts chez vous ? Une personne. On a réussi à se mettre à couvert à temps, mais il y a juste cette personne qui a été mise à terre. On a réussi à la stabiliser. Je vous suis. Ouais, mais là on en a que deux. En fait, le problème c'est qu'il faut qu'on ait un mec à la limite. On va voir. Bah, tu vois le Jules qui vient d'arriver. Ok. Non, d'accord. Ça va aller. Vas-y, Connor, il est là-bas sur le truc. Ah bah, lève-la, la mettre là. Tu mets une field ? Oui. Il y a la tempête bientôt là, dans une trentaine de minutes. Et du coup, il faudrait éventuellement commencer à encaisser les camions. Et deux hommes qui ont parti lancer plusieurs camions chez eux. Ça va aller, il va s'en sortir. Oui, vous inquiétez voilà. pas. Désolé, c'est le gros, ça gagne. Dans cet état. Ok. Ah, asseyez-vous, jeune homme. Voilà, c'est un 4 huîtres sur moi. Juste 4 en plus du stock que vous avez. La dictature d'en face qui vient faire des misères. Je vais extraire la balle, hein, bougez pas. Bien. D'accord. Tiens, prends ce bâton et tu le mets dans ta bouche, sale gars. Ça devrait aller mieux. Tu sales très fort. Ouais, ça va déjà un peu mieux, merci. Quelqu'un a une fiole de whisky? Ouais, je vais lui donner, j'ai de la morphine, je vais lui donner une dose de morphine. Sergueï. T'es bien vu, hein. Tenez, je vais vous mettre deux doses de morphine, même, allez-y. Hein. Allez, tiens le coup, là. D'accord, merci. Ça devrait aller mieux. Monsieur le Président, je suis navré de vous voir dans cette situation. Oui, c'est... Hein. Ils ont déclaré la guerre, on est en plein dedans. Hein. Ouais. Malheureusement. Tout le monde travaillait ici tranquillement quand ils sont arrivés avec les postocs. Figurez-vous que j'ai reçu un appel d'un Max Mader, c'est un employé de chez vous, il me semble. Oui, qui est monté dans la tour là-bas pour essayer d'avoir de le réanimer, mais ils sont intervenus, ils nous ont tiré dessus pour nous empêcher d'intervenir. À vous aussi ? Oui, ils nous ont tiré sur la tour. Alors j'ai crié sur... c'était Monsieur Mbaké, je lui ai crié dessus, je lui ai dit « Mais on tire pas sur nous, mais vous m'avez fait trop peur et tout ». Et ils m'ont dit « Non, on refuse que tu t'occupes de Max Mader. » Et donc, j'ai rien pu faire. Il a dû aller à l'hôpital, sûrement, le pauvre... Ah oui. Et ils m'ont interdit de venir chez AFC. C'est pour ça que j'ai garé mon hélico plus loin pour faire... Honnêtement, Mme Bello. Oui. Attendez, il y a la radio. Ouais, il faut pas les écouter. Hein. Ils ont aucune légitimité. Hein. Donc, si vous avez besoin d'être... En sécurité sur un territoire, vous venez par chez nous et vous êtes la bienvenue partout. Je sais bien, le président. Vous savez où va mon cœur, mais par contre, quand on a une arme et qu'on m'interdit chose, tant que je suis en la présence de la personne armée, je ne peux rien faire. Après, une fois que j'ai eu le dos tourné, je fais ce que je veux. Hein.
C'est ce que j'ai fait, je suis venu, vous voyez. Mais bon, devant eux, Je veux dire, Madame Bello, c'est qu'ils n'ont pas à vous interdire de venir chez RFC. Ah oui, je sais bien. Vous êtes là au service des civils. Est-ce que vous croyez qu'ils ont aussi à autoriser des types comme les fantômes à faire de la cocaïne? Sérieusement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous voulez que je vous dise que ces gens-là s'enfoncent de jour en jour? Non, mais sérieusement. Et que plaisanterie. Et ils vont vraiment moins rigoler dans deux jours là. Quand j'ai vu sur le site de Lille. Que non, moi j'ai rigolé, j'ai même... S'il vous plaît, de la cocaïne. Oui, non, c'est interdit, par contre, si vous voulez, on vous l'achète. Ça, c'est ça. Moi, je trouve